Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue. Je m'appelle Rachel Yen-Chichen. Je suis gestionnaire des projets chez les Amis des Parcs. On est une charité nationale qui appuie, mobilise et aide les citoyens à activer le pouvoir des parcs afin d'améliorer la qualité de vie urbaine à travers tout le Canada. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'événement aujourd'hui pour partager des idées, des concepts, des questions clés et des conseils qui va élargir votre boîte à outils pour vous aider à tirer le meilleur parti de la technologie et mettre en ligne votre programmation axée sur la nature et l'environnement. Je suis aussi très heureuse d'être ici avec vous tous et aussi avec d'autres fantastiques intervenants, Marie-Hélène Roch et Machid Salhemoumoum, deux de mes collègues ici chez les Amis des Parcs. Bonjour Machid et Marie-Hélène. Bonjour. Salut tout le monde. Aussi avec nous, Clément Badra, il est coordinateur du projet Corridor écologique d'Arlington. Bonjour Clément. Bonjour à tous, merci. Et aussi Mme Violaine Provenot, directrice régionale pour Québec et Atlantique avec la Fondation TD des Amis de l'Environnement. Bonjour Violaine. Bonjour tout le monde. Alors, j'allais commencer avec quelques points techniques. Vous êtes probablement très familier avec Zoom à ce point et vous remarquez peut-être qu'il y a beaucoup de visages et de noms sur l'écran. Aujourd'hui, nous avons organisé ce rassemblement comme une réunion sur Zoom au lieu d'un webinaire. Ce format nous donne l'opportunité d'utiliser d'autres fonctions comme des salles de petits groupes pour engager les gens les uns les autres, pour avoir les discussions un peu plus petites. C'est un excellent outil pour répartir vos participants dans les activités. Deux autres outils rapides, vous pouvez, et encore une fois, vous êtes peut-être déjà familier, mais sur votre fenêtre Zoom, vous pouvez choisir un affichage de galerie ou l'affichage d'intervenants. C'est une option en haut de votre écran à droite. L'affichage pour de galerie, ça va montrer tous les gens dans la session et l'affichage de l'intervenant, ça montre que la personne qui parle. Vous pouvez également cliquer, il y a trois petits points bleus sur votre écran de vidéo où vous pouvez choisir, il y a plusieurs options, vous pouvez vous renommer, vous pouvez mettre votre vidéo, il y a plusieurs options là. Aussi, je voulais juste indiquer que nous enregistrons cette session et ce sera disponible après en ligne, mais les vidéos des panélistes seront visibles dans la version finale enregistrée. Alors, sentez-vous à l'aise de dire bonjour. Je veux juste aussi ouvrir la session avec une reconnaissance du territoire. Je veux reconnaître la terre sur laquelle nous sommes rassemblés et exprimer la gratitude pour son lien étroit avec la santé de tous. Nous reconnaissons également la présence et la résilience des peuples de Première Nation, des Inuits et des Métis sur cette terre. Et nous reconnaissons le rôle d'aidant, d'intendant et de cantor à travers l'île de la Tortue. Je reconnais qu'on est unis de partout dans le pays, dans les provinces. Je vous invite à vous présenter dans la fenêtre de discussion avec le territoire de la nation où vous êtes présentement situé, si vous le savez. Si vous ne savez pas sur quel territoire de la nation vous vivez ou travaillez, nous vous encourageons à visiter, nous fournissons quelques sites web où vous pouvez voir la nation ou territoire où vous vous trouvez. Moi, je suis présentement sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et je vais également reconnaître que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississauga du Crédit. Et nous savons à quel point il est important pour nous tous d'être connectés à la Terre. Et nous reconnaissons le défi de le faire de manière significative parce que nous ne pouvons pas nous ressembler en personne sur la Terre. Alors aujourd'hui, nous avons rassemblé des ressources, des outils, des expériences pour vous donner de l'inspiration pour vous engager dans une programmation environnementale significative en ligne. Alors j'aimerais maintenant introduire ma collègue Marie-Hélène Roch.
Bonjour à tous. C'était quand même intéressant de lire vos expériences côté météo. Donc, on voit que du côté de la ville de Québec, il y a peut-être un peu plus d'orages et tout ça. Donc, mais sinon, ça demeurait quand même des commentaires sur qui fait beau et c'est gris, puis un peu nuageux. Donc, en fait, quand on vous a demandé le temps qu'il fait présentement dans votre région, en fait, moi, j'aimerais, je suis curieuse de voir, donc, vous pouvez soit faire un signe de la main ou faire le pouce levé, donc c'est une icône dans les réactions. Si par hasard, vous avez utilisé une application sur votre téléphone pour donc nous répondre. Est-ce que certains d'entre vous, je ne vois pas nécessairement de signe, ou sinon, est-ce que par hasard, vous aviez un accès à une fenêtre pour voir le temps qu'il faisait? Peut-être certaines personnes, oui. Donc, justement, tout ça, c'est en fait nous rappeler que la pandémie, évidemment, les bulles sociales, bon, ils prennent une grande importance, mais ça peut être quand même plus difficile là, d'intégrer régulièrement une expérience de proximité avec la nature. Donc, pour la plupart, nos dernières, dans les journées qu'on vit, on a vraiment une hyper connexion, puis on passe beaucoup de temps en ligne, donc que ce soit pour le travail ou même pour conserver nos interactions. Puis c'est assez surprenant en fait à quel point on peut être complètement déconnecté de l'environnement qui nous entoure. Donc en soi, vraiment c'est quelque chose qu'on veut que vous conserviez en tête aujourd'hui pendant le webinaire, c'est donc cette réflexion par rapport à comment on peut assurer la visibilité du territoire lorsqu'on travaille en ligne. Donc, je vais ici vous présenter quelques questions donc, qui sont simples et que vous pouvez adresser à vos participants, soit en ouverture de vos activités, puis peut-être même que vous le faites déjà. Donc, de partager la situation géographique, donc que ce soit la région, la ville. Aujourd'hui, on a des gens de Gatineau, de la ville de Québec. On a aussi Montréal. Je vois qu'on a même... je pense que ça fait quand même peut-être aussi au Richelieu. C'est assez diversifié. C'est vraiment... ça va être intéressant justement de voir toutes ces expériences-là spécifiques au Québec. Ensuite, soit d'identifier un élément naturel qui se trouve à proximité, un plan d'eau, un parc, ou même avec lequel que vous avez peut-être interagi récemment. Puis sinon, de poser une question sur la météo, donc vraiment d'inviter les gens à prendre conscience de ce qui les entoure. Des fois, c'est comme juste d'observer comme... une présence d'un élément naturel, puis ça peut être comme une plante d'intérieur qui se trouve comme derrière moi. Donc, je vais vous demander de vous prêter à un petit exercice. Donc, si vous voulez, je vous invite à fermer les yeux. Puis, de prendre une respiration, puis d'imaginer donc, que vous vous promenez dans une bulle de nature qui vous est unique, qui vous est propre. Donc, prenez le temps là, de vraiment bien visualiser. Puis, je vous invite à vraiment ressentir à quoi ressemble cet environnement-là. Donc, vous pouvez inspirer. Les odeurs qui apparaissent, quels sons que vous pouvez entendre? Est-ce que, par hasard, il y a des créatures qui partagent cet espace-là avec vous? Est-ce que c'est possible de toucher certains éléments? Donc, vous pouvez maintenant réouvrir les yeux. Donc, en fait, ici, c'est vraiment l'importance de considérer comment vous désirez connecter les participants donc, à la nature avec votre programmation. Puis, je suis sûre, quand vous avez fait l'exercice, il y avait peut-être un élément comme un lieu spécifique que vous aviez en tête, un jardin communautaire, une salle de classe en plein air... un carré d'arbres, une forêt. Donc, je pense que c'est toujours opportun d'avoir un peu ce rappel de ce lieu-là, puis de se dire qu'on peut le transposer donc, dans l'expérience en ligne. Donc, on va vous parler donc, de programmes environnementaux significatifs. Donc, ici, on fait référence à tout ce qui touche les participants, l'environnement
puis nos communautés, donc vraiment qui ont des impacts tangibles sur les gens. Puis, je pense que ce n'est pas une surprise pour tout le monde. Tout le monde ici qui sont réunis travaille activement pour tout ce qui touche l'éducation environnementale. Puis, mais je pense qu'en ce moment, puis vous allez nous partager vos expériences aussi, il y a beaucoup de choses à reconsidérer, à adapter dans les processus de travail. Puis, ça fait en sorte qu'on peut être amené à avoir plusieurs questionnements. Mais on veut aussi vous rappeler que c'est pas nécessairement un besoin là, d'avoir un cours en éducation environnementale pour commencer à offrir une programmation en ligne. Donc, il faut voir ça peut-être aussi comme une exploration là, dans vos méthodes. Donc, comme on voit ici sur la diapositive, puis vous devez certainement inclure ça en ce moment dans vos programmes, il y a la sensibilisation environnementale, les préoccupations environnementales ou même les expériences environnementales. Il y a une contenu en ligne, c'est bon, de rester à un premier niveau qui est plus de l'ordre de la sensibilisation, donc de fournir du contenu à nos participants. Puis par la suite, bon, c'est sûr que les préoccupations environnementales s'y intègrent un peu plus facilement, mais quand on en vient à vraiment l'expérience environnementale, à certains moments, ça peut être vraiment difficile, puis même que ça peut être évacué complètement. Puis, ironiquement, c'est un peu cet aspect-là immersif qui souvent nous attire à travailler dans ce milieu-là. Donc, il y a aussi, bon, une autre façon de voir les choses. Ici, vous avez une figure qui s'appelle « Lien avec la nature » qui nous a été transmise par une collègue, Emma Rooney. C'est un de ses mentors en environnement qui participe au projet PINE, qui est dans le fond basé à Toronto, puis qui aide les enfants puis les familles à créer des opportunités pour entrer en connexion avec la nature. Puis, donc, en fait, cette figure-là, ce que ça résume, c'est vraiment tout ce qui est l'apprentissage expérientiel, puis l'enseignement par les sens. Donc, on peut commencer justement par des loisirs dans la nature, par exemple un programme de marche dans le parc. Puis, donc à travers cette expérience-là, bon, on va s'intéresser, on va se rendre compte qu'on peut apprendre de la nature en faisant tout simplement une promenade. On va même peut-être vouloir aller chercher de l'information sur la nature. Puis à ce moment-là, quand on associe les loisirs de la nature puis les informations sur la nature, bien, la chose inévitable qui va se produire, bien, c'est cette connexion-là à la nature. Donc, de développer ce lien-là à l'environnement qui va faire partie de plus en plus de nous, puis que, bien malgré la pandémie, va rester ancré en nous. C'est sûr que cette connexion-là profonde à la nature, elle va s'entretenir sur une longue période avec des expositions, des opportunités de pratique, donc de plus en plus d'interactions. Et ça devient quand même un défi là, de créer cette connexion-là aussi profonde en un seul webinaire ou appel sur Zoom. Donc, c'est clair que de là, tous les défis de mettre cette programmation-là en ligne. Puis, tout ça m'amène aussi à parler que peut-être pour certaines personnes, puis peut-être certains d'entre vous, l'expérience que vous avez vécue pendant la pandémie, ça a vraiment mis en opposition ce rapport-là intérieur-extérieur vis-à-vis l'environnement puis la nature. Puis, j'ai envie de faire une petite parenthèse personnelle. Donc, si moi, je me rapporte au mois de mars, j'étais en congé parental avec mon deuxième enfant de 6 mois. Puis, finalement, on s'est retrouvés toute la famille à la maison. Finalement, mon conjoint, moi, qui sont sans travail, puis avec aussi notre plus grand de 3 ans. Puis, on était à un point où il fallait trouver cet équilibre, puis ce rythme-là familial qui était sain. Puis, en fait, c'était vraiment de sortir au minimum 2 fois par jour dans les parcs. Donc, pour nous, ça a été vraiment de découvrir quasiment comme vraiment beaucoup de nouveaux parcs à Montréal. Puis surtout, étant donné que les modules de jeu étaient fermés, bien, c'était aussi de voir tous des nouveaux potentiels
Donc, dans ces environnements-là. Donc, ça s'est avéré une expérience hyper positive pour nous de connexion avec l'environnement. Donc, je crois que vraiment chaque expérience a été unique et est encore unique. Puis, même en parlant avec d'autres personnes de mon entourage, que ce soit des gens qui habitent près des ruelles, la pandémie a vraiment été cette occasion-là de rentrer en contact avec des voisins pour la première fois, de se mettre à imaginer des projets, puis finalement de créer ces projets-là dans ces communautés, ces milieux de vie de proximité. Donc, je pense qu'à travers tout ça, on a aussi eu peut-être une possibilité d'avoir des contacts plus réels avec la nature, puis ou du moins différents que d'avant la pandémie. Donc, ici, on a une diapositive qui nous rappelle donc constamment d'être en contact avec notre tête, avec notre cœur, puis avec nos mains. Donc, tout ça, en fait, c'est de se rappeler de toujours revenir à notre base, donc nos cadres, puis aussi de vous rappeler que vous en savez déjà beaucoup sur l'éducation environnementale significative, puis... sûrement que vous avez déjà les clés pour savoir comment vous voulez que votre programmation en ligne, elle débute ou elle évolue. Donc, puis je pense que dans tout ça, c'est aussi de se donner le droit à l'erreur ou à l'exploration, donc de reconnaître que tout ne pourra pas être facilement être transmis en ligne. Mais il suffit justement d'essayer pour apprendre de nos erreurs, puis... voir ce qui va être des formules gagnantes. Donc là, on vous propose pour un moment donc, d'évaluer justement ce que vous pensez de l'idée de mettre en ligne l'éducation à la nature et à l'environnement. Donc, vous devriez voir apparaître un sondage sur votre écran. Puis on veut vraiment que vous répondiez en toute honnêteté en quoi cette idée-là vous parle, puis... justement, on s'attend peut-être à des réponses qui vont nous montrer les avantages ou sinon les désavantages. Donc, que pensez-vous de la mise en ligne de programmes sur la nature ou l'environnement? Donc, A, le concept va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. B, je résiste encore. C, j'y arrive. D, je suis convaincue qu'il y a un avantage. Ou E, je l'ai vu fonctionner, c'est génial. Donc, je pense que les réponses... arrive. Donc, on voit qu'il y a quand même une dominance du côté de « je suis convaincue qu'il y a un avantage ». Donc, c'est très quand même, on voit qu'il y a des choses de positives dans tout ça, mais en même temps, on sent qu'il y a une certaine résistance. Donc, c'est la deuxième réponse qui a eu le plus de votes. Donc, justement, pendant le webinaire aujourd'hui, on va être curieux d'entendre justement c'est quoi ces résistances-là, ces obstacles-là. Puis, c'est vraiment ça qu'on veut traiter aujourd'hui. Puis, ici, on vous remercie aussi d'avoir été honnête. Comme ça permet vraiment d'enrichir la discussion. Donc, je pense que c'est quand même un des défis de taille qui est de travailler à distance, c'est vraiment d'avoir le pouls de ce que l'audience pense ou de comment elle peut réagir. Donc, c'est sûr qu'utiliser un sondage ou une question dans une fenêtre de discussion, ça permet peut-être d'entamer la conversation puis de savoir où en sont les participants. Voilà. Donc, maintenant, toute l'importance de faire confiance aux outils que vous disposez déjà. Je vais vous partager encore une fois une expérience de notre collègue, Emma, puis tout ce qu'elle a ressenti en développant ses programmes en ligne. Donc, ici, là, vous voyez une photo donc, qui a été prise en janvier. C'est le dessus de son chariot de thérapie horticole. Donc, elle, en fait, elle aide à connecter les gens avec la nature,
comme thérapeute horticole. Puis c'est surtout en faisant des programmes de jardinage. Dans le fond, les lieux où elle se concentre, c'est sur des centres de soins de longue durée auprès de personnes âgées. Donc, des gens qui souvent n'ont pas la possibilité de sortir de leur chambre, ont très peu de contact avec la nature, puis ou même des espaces de jardinage intérieur. Puis le chariot, dans le fond, sa fonction, c'est vraiment d'amener la nature directement dans les chambres. Donc, les gens peuvent être amenés à toucher, sentir ou même planter donc certains éléments naturels. Donc, pour elle, bon, c'est sûr qu'au début du mois de mars, bon, elle fait avec les matériaux qu'elle dispose à ce moment-là, étant donné qu'on est l'hiver. Mais à la mi-mars, bon, elle utilisait toujours son chariot, mais c'était sans contact. Donc, c'était seulement une expérience qui devenait visuelle. Puis ensuite, bon, la fin du mois de mars arrive et finalement, son chariot doit être entreposé et elle ne se présente plus au travail sur place. Donc, ça l'amène à devoir faire ses premiers appels sur WhatsApp et elle nous confie que c'est un certain désastre parce que, en tant que telle, c'est assez rare les cas où le personnel sur place peut apporter ou ont le temps d'apporter un soutien. Donc, tout ça, ça l'amène dans une réflexion qui est sur toute cette réflexion-là de la façon de rendre cette programmation-là en ligne significative pour ce public-là qui a des besoins si particuliers, comme quoi ça n'a pas été fait comme réflexion. Mais à travers différentes formations en ligne auxquelles elle assiste, il semble quand même y avoir un élément qui ressort, qui est tout le soutien et l'accompagnement des familles lors des célébrations virtuelles de fin de vie. Donc, ça a vraiment été un gros enjeu pendant la pandémie. Puis, comme quoi, justement, tous ces proches-là ne pouvaient pas être en proximité physique avec les gens qu'ils aiment. Donc, c'est sûr que, évidemment, c'est un sujet super sérieux. Puis, on peut se demander en quoi la programmation environnementale a son rôle à jouer. Mais dans tout ça, je pense que ça relevait un élément, puis encore plus dans ces sessions de planification, comme quoi tous les gens admettaient se sentir déconnectés. Donc, il y avait comme cet aspect-là de se sentir un peu volatile. Puis donc là, l'animateur a encouragé les participants à trouver dans la pièce près de eux un élément donc naturel qui les ramènerait sur Terre. Donc, ça peut être une pierre, un bâton, un crayon de bois. Puis, Emma, donc, quand elle a vu une pierre qu'elle regardait à côté de son bureau puis qu'elle a prise, bien, elle s'est rappelée justement les objets qui étaient sur son chariot. Puis, dans le fond, de ces gens-là qu'elle côtoyait qui pouvaient rentrer en contact avec la nature. Puis, ici, c'est juste une démonstration à quel point on a besoin à certains moments de nous rappeler là, qu'on est connecté à la Terre, puis qu'on est ancré dans la nature et qu'on ne flotte pas nécessairement dans l'espace. Donc, je suis certaine que vous avez vous-même, puis si vous voulez nous partager justement peut-être des outils que vous utilisez pour créer cette connexion-là, n'hésitez pas à nous le partager aussi dans le clavardage. Donc, en résumé, c'est vraiment de faire confiance aux outils dont vous disposez déjà. J'espère que l'atelier va d'abord vous donner une confiance, aussi de l'inspiration pour offrir votre programmation en ligne. Aussi une expérience avec des outils de vidéoconférence simples. Également, on va vous donner des questions clés pour orienter la conception de vos programmes en ligne. Peut-être même aussi des techniques d'animation. Puis aujourd'hui, je crois aussi la clé, c'est vraiment d'avoir l'opportunité d'apprendre des autres. Donc, évidemment, je pense qu'il y a une question qui est un peu sur toutes les lèvres. C'est justement de comment on utilise la technologie pour aider les gens à communier avec la nature. Ça implique beaucoup de défis. Puis, on va passer à l'autre diapositive. Donc, il y a toute cette notion-là de courbe d'apprentissage de la technologie.
De l'accès à la technologie, ensuite d'incorporer des opportunités qui sont extérieures, puis immersives, puis basées sur la nature. Puis tout aussi, ce qui touche le volet de cette fatigue visuelle ou sinon de l'écran, puis de maintenir l'engagement, ça demeure des défis de tous les instants. Puis également, en arrière de ça, il y a toujours aussi ce souci de respect de la vie privée, de la sécurité qu'on a toujours en tête quand on travaille de plus en plus avec les technologies. Donc, en soi, nous, notre conseil, c'est vraiment d'utiliser toute la richesse de la préinscription, les enseignements qu'on peut avoir et inclure à l'inscription. Donc, d'en apprendre davantage sur les participants, comme ça peut vraiment alimenter vos activités. Donc, je vais passer à Rachel. Merci, Marie-Hélène. Alors, oui, vous avez aussi identifié, nous avons utilisé ce processus de l'inscription pour vous demander des questions sur vos défis et vos expériences en ce moment. Et l'un des plus grands défis qu'on a observé, c'est comment garder votre audience engagée. C'est facile de perdre les gens quand ils s'écoutent simplement. Alors, on est toujours en train de regarder nos écrans. Et en particulier pour les participants, c'est souvent une conversation unidirectionnelle et c'est difficile de garder l'attention et l'intérêt. Alors, on a trouvé que diviser les gens en petits groupes pour les engager dans une conversation, c'est un moyen idéal de les garder engagés. Alors, sur la plateforme aujourd'hui, sur Zoom, il y a cette option de breakout rooms ou salles de petits groupes. Les autres plateformes contiennent les fonctions similaires. Et c'est utile pour les activités de groupe. Il y a l'option que vous pouvez préorganiser vos salles en fonction des questions dans l'inscription pour créer des groupes adaptés à l'âge ou pour regrouper les personnes qui ont répondu à une question d'inscription de la même manière. Nous voulons l'essayer aujourd'hui ensemble. Je vais vous diviser en groupes de trois aléatoires pour en savoir un peu plus et je vous encourage de partager avec les autres membres de votre groupe votre programme et où vous êtes dans la transposition à la programmation en ligne. Quand je vous envoie vers les petits groupes, vous pouvez enlever muet si vous voulez allumer vos vidéos. Présentez-vous aux autres personnes dans la salle et vous pouvez discuter un peu d'un programme dans le proche avenir et vous pouvez partager peut-être quelque chose avec vous avez eu du mal ou vous êtes en train de penser à comment passer cette programmation en ligne, en réfléchir à votre audience et les principaux objectifs. Si c'est votre première fois avec cette expérience avec les salles de petits groupes, c'est un peu de voyage à travers le temps et l'espace. Alors, je vais vous mettre en groupe de trois en 2 minutes chacun pour juste partager un peu. Et puis, dans 6 minutes, on va revenir, je vais vous ramener ici. Donc, j'imagine que dans vos conversations, vous avez sûrement fait état d'opportunités, peut-être. Autant les défis, mais il y a aussi les opportunités. Puis aussi, basé sur les commentaires que vous nous avez fournis lors de l'inscription, on se rend compte que quand même, d'élargir notre programmation en mode en ligne, ça permet justement d'avoir une portée qui est plus grande, d'aller au-delà des participants habituels. Puis également en termes d'engagement, de temps ou sinon d'obstacles à la participation, on voit qu'il y a peut-être des avantages. Donc, ça implique moins de déplacements peut-être pour certains participants. Donc, il y a moins ces enjeux-là. Puis sinon, c'est aussi plus facile puis moins dispendieux de recruter soit des experts ou des présentateurs engageants auxquels on n'aurait pas accès autrement. Puis aussi, c'est plus facile donc de fournir du contenu dans différentes langues. Mais c'est clair que dans le contexte actuel,
on peut justement être absorbé par ces nouvelles occasions-là, cette volonté-là d'élargir notre public. Et puis, on peut peut-être des fois se sentir un peu désorienté, puis d'oublier nos intentions initiales, nos objectifs de départ. Donc, on veut demeurer flexible, réactif à un moment, mais je crois que quand même, il faut toujours se ramener à pas perdre de vue là, cet essentiel-là. Donc, comme on dit, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Puis, peut-être que vous, à travers les derniers mois, vous avez voulu vraiment revoir vos propositions de programme, de vous rappeler vraiment vos objectifs, c'est qui votre public, votre ou vos expériences, puis vos résultats. Puis, de la façon que vous voulez adapter vos programmes en laissant pas aller ces éléments-là. Donc, vous êtes peut-être confronté à reconnaître que vous aurez comme besoin peut-être plus de temps pour réaliser des initiatives que vous jugez essentielles puis que vous aviez prévues. Donc, je crois que c'est quand même important de tout le temps se rappeler ces questions-là. Donc, de comment on veut traduire ces choses-là en ligne. Comment on veut atteindre nos objectifs, puis ce qui n'est pas possible, ou qui va devoir être fait plus tard, de toujours de pouvoir se le rappeler. Donc, je vais laisser aussi Rachel nous éclairer sur ça. Alors, vous avez peut-être planifié de nombreuses différentes activités qui ne sont pas faciles à transposer en ligne ou dont la transition n'est pas évidente. Par exemple, les événements de bénévoles, les formations, les rassemblements, les événements éducatifs, les célébrations, les visites guidées, peut-être des rencontres de planification. Il y a beaucoup d'entre vous qui font la programmation pour les enfants ou les événements pour le public ou les événements avec l'intendance environnementale. Alors, nous voulons vous présenter trois façons différentes de transposer ces différents types d'événements en ligne. Et ces différentes approches ne sont pas exhaustives ou ne s'excluent pas les unes les autres, mais peuvent être vraiment intégrées ensemble de façon créative. Alors, tout d'abord, des événements en ligne en direct, comme ce que nous faisons aujourd'hui en ce moment, où les gens peuvent se connecter avec vous et les uns les autres et peuvent s'engager dans les conversations en temps réel. On va voir un peu plus sur les avantages et les inconvénients plus tard. Mais avec cette méthode, il y a la connexion d'Internet stable et un appareil son nécessaire. Le contenu en ligne est moins gourmand en bande passante, comme les blogs, les séries de vidéos, les boîtes à outils en ligne, des ressources ou des enregistrements. Ce qui est important, c'est que l'audience peut voir et accéder à ces ressources quand ils veulent, pas nécessairement, ils doivent être sur place dans un moment en particulier. Et il y a aussi les options hors ligne, où on peut se séparer de l'ordinateur, ou si on n'a pas l'accès ou le niveau de connaissance avec la technologie, ou quand on veut engager avec les gens sans passer trop de temps devant l'écran. Alors, plus spécifiquement, les types d'événements de chaque de ces trois exemples. Alors, les types d'événements en direct incluent les webinaires, où il y a les présentateurs à qui on peut poser les questions directement, ou les présentateurs peuvent avoir des discussions interactives. Aussi, par exemple, les rassemblements ou les rencontres similaires à ce qu'on fait aujourd'hui, où les participants peuvent avoir l'occasion de se connecter dans les petits groupes. Aussi les formations où on peut poser des questions pour se familiariser à un sujet et finalement les célébrations. Regarder un enregistrement d'une célébration n'est vraiment pas la même chose qu'être là direct ensemble. Le contenu en ligne, quelques éléments par exemple incluent si vous voulez créer une série de vidéos ou diffuser en ligne ou des cours, des tutoriels ou des visites guidées. On trouve que les visites guidées peuvent vraiment engager votre audience avec un lieu spécifique. Par exemple, avec le programme que moi j'organise avec les Amis des Parcs, cette année on a vu plusieurs jolies visites guidées des jardins ou des quartiers. Et ces visites connectent vraiment les gens à ces espaces spéciaux
qui ne pourraient pas être forcément en personne. Alors, et un autre avantage, c'est qu'un lieu comme un jardin ou une forêt, ça n'a pas nécessairement la connexion Internet pour avoir un événement en direct, mais on peut enregistrer une visite guidée et l'avoir disponible comme contenu en ligne quand les gens peuvent même se connecter. Et finalement, hors ligne, on peut proposer des trousses d'activités qui peuvent être distribuées à votre communauté ou utiliser des arbres téléphoniques pour partager de l'information ou connecter les gens qui ne sont pas connectés en ligne. Vous pouvez utiliser les listes d'envoi de courriel ou les groupes de WhatsApp. L'idée là, c'est de rencontrer les gens sur les plateformes à laquelle ils sont habitués et connecter avec eux. Ils n'ont pas besoin d'aborder une technologie qui est tout à fait nouveau. Et je veux insister sur le fait que ces trois options ne sont pas indépendantes les uns les autres. Ils peuvent vraiment être utilisés en combinaison. Et on va explorer un peu plus en détail comment se profiter de ces combinaisons. Mais d'abord, je voulais introduire ma collègue Mash Salehumum. Elle est coordonnatrice de projet à Vancouver. Et elle va nous parler un peu de comment elle a assisté à amener en ligne un de nos très grands projets qui s'appelle Susciter le changement. Merci, Rachel. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous voir tous en ligne aujourd'hui. Je m'appelle Majid Salehumum. Je travaille avec les Amis des Parcs comme coordinatrice des projets et je travaille aussi avec la Fondation TD des Amis de l'Environnement. J'espère que vous pourrez pardonner mon français. Je n'ai pas beaucoup d'opportunités de pratiquer, donc je vais essayer mon mieux. Je vais relire beaucoup de mes notes, mais si vous en avez des questions, s'il vous plaît, demandez dans la fenêtre de discussion. Et j'espère qu'une de mes collègues pourra vous donner des clarifications ou je peux vous répondre plus tard. Donc, je suis basée à Vancouver, donc la COVID a eu un effet particulier pour moi au niveau de télétravail, puisque je travaille déjà à distance. La plupart de notre équipe travaille dans les bureaux de Toronto, dont moi et ma collègue de Montréal, Caroline Magard, nous travaillons déjà beaucoup avec Zoom pour connecter avec l'équipe. Donc, on a déjà la technologie en place, mais avec toute l'équipe travaillant à distance, c'est actuellement servi à mieux intégrer nos projets nationalement. Mais quand même, la COVID nous a forcés à changer toute notre programmation pour basculer en ligne, ce qui était très difficile pour nous. Chez les Amis des Parcs, la grande majorité de notre travail est basée sur l'idée d'encourager les gens à utiliser les espaces extérieurs comme les espaces communautaires. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est notre programme Susciter le changement ou Sparking Change en anglais. Dans le cadre de ce programme, nous travaillons avec les communautés que la municipalité locale a catégorisées comme étant défavorisées et marginalisées. Ces quartiers ont souvent, par exemple, beaucoup de violence ou beaucoup de familles à faible revenu ou peut-être une grande population d'immigrants, juste par exemple. Nous travaillons avec les gens de ces quartiers et leur donnons des ressources pour organiser des événements comme le nettoyage des parcs, des pique-niques, les sessions de planter les arbres et enlever les espèces exotiques, des festivals avec les jeux. Les arts, tout ça pour animer et améliorer leur parc local et dont en même temps les communautés qui s'encerclent. Ce programme n'est pas forcément environnemental, par contre, je crois que c'est important de partager cette expérience avec vous, car je sais que parfois pour les groupes environnementaux, c'est difficile à engager certaines communautés et pour nous, on était surprise par certains bénéfices que la programmation en ligne a nous porté. La responsable de ce programme depuis 7 ans est ma collègue Minaz Hassani Kanji. Et à cause de, ou peut-être mieux dire grâce à la COVID, cette année, j'ai eu l'opportunité de travailler avec elle pour en apprendre comment transposer ce programme à Vancouver. Quand le confinement a commencé en mars, en place d'annuler ou pousser le programme à l'année prochaine, on a fait la décision d'apporter les modifications au programme pour continuer le programme pour cette année. Nous n'avons eu qu'une dizaine de jours pour changer totalement le programme qui avait un budget de 150 000 $, ce qui était très intimidant. Nous avons su que nous devions passer la programmation, par contre, mais on n'avait pas exactement su comment y faire, y arriver.
dont nous avons décidé de commencer simplement en organisant des sessions à chaque semaine en ligne avec les groupes pour qu'ils n'aient pas besoin d'organiser quoi que ce soit dans les parcs pendant le confinement s'ils n'étaient pas confortables avec l'organisation des événements tout de suite. Pendant ces 5 mois, nous avons hébergé des sessions hebdomadaires avec des groupes. Chaque semaine, on tient un rendez-vous de Zoom pour environ 10 groupes pour que les participants peuvent interagir directement avec l'un et l'autre, apprendre des techniques pour améliorer leur parc et leur communauté et apprendre comment renforcer leurs capacités. Parfois, les participants présentent leurs projets et les restants des groupes puis demandent des questions. Et parfois, on demande à quelqu'un à nous joindre d'un groupe extérieur pour nous donner un tutoriel ou un atelier pratique. Donc, par exemple, dans une session, nous avons présenté l'application iNaturalist, ce que nous n'aurions jamais fait avant la programmation quand on était sur le terrain. Donc, nous leur avons expliqué comment ils pouvaient utiliser cette application seule dans la nature pour en apprendre davantage sur la faune et la flore locale. L'un de nos groupes à Killsdale continue encore d'utiliser pour animer leur quartier et apprendre plus de ce qu'ils trouvent dans leur environnement local pendant qu'ils se distancent encore. Puis, une fois par mois, nous organisons des webinaires pour un groupe d'environ 90 participants pour leur fournir des informations de manière plus verticale. Donc, on a plus de présentations formelles pour ce format pour donner de l'inspiration. Nous avons, par exemple, engagé des artistes de différentes organisations et des groupes environnementaux pour faire des présentations. On a fourni une conteuse qui nous a raconté une histoire folklorique avec la danse et les tambours, ce qui était très amusant pour les enfants et les adultes en même. Nous avons appris plusieurs choses au cours de ces sessions. Tout d'abord, il était très important de changer les horaires des sessions à chaque semaine pour que tout le monde puisse y assister en fonction de leurs différentes disponibilités. Par exemple, une semaine, nous faisons une session pendant l'après-midi pour les gens ayant des enfants ou ceux qui travaillent les nuits. Et la semaine suivante, une session à comme 6 heures du soir pour les personnes qui travaillaient pendant la journée. L'avantage de ces sessions de Zoom, c'était que nous avons pu aider les personnes que nous n'avons pas été capables de rencontrer dans le passé à cause de la distance ou parce qu'elles avaient d'autres engagements. Quand on lève le temps de transport, il y a beaucoup plus de participants à ces ateliers. C'est plus facile pour les gens de se lever, de s'asseoir devant un ordinateur ou leur téléphone, plutôt de devoir se préparer et de prendre le bus pour traverser le vide. Pour nous, en tant qu'organisateurs, ça en a simplifié notre rôle un peu, car nous n'avons pas à amener les provisions normales comme les couverts ou les plats. On ne devait pas commander la nourriture ou fournir des billets pour le bus. Donc, organiser ces ateliers en ligne nous a coûté beaucoup moins cher et ça a pris beaucoup moins de temps et nous avons pu achever beaucoup plus en ligne que l'organisation qui s'était en terrain. On a aussi pu remettre un peu de cet argent pour en donner des prix aux participants pour encourager leur engagement, ce qui était très populaire. Un autre avantage est qu'il est beaucoup plus facile de rajouter des trucs à la dernière minute en cas qu'il y a quelque chose d'intéressant ou important qui s'arrive. Par exemple, il y avait les grandes manifestations pour Black Lives Matter et George Floyd. Et on a pu changer notre session à la prochaine journée pour en avoir une discussion profonde avec les participants en place de ce qu'on avait prévu. Que je pense que c'était comment fournir un permis pour la parc. C'était pas très intéressant. Ça, c'était très nécessaire pour les groupes de parler de ça, spécialement parce que la plupart d'entre eux sont des communautés noires. Nous avons aussi remarqué aussitôt ce que les participants nous ont dit, c'est que les communautés marginalisées ne passaient presque rien dehors. Les gens ne sortaient pas du tout de chez eux et si ce n'était pas nécessaire pour eux de
aller dehors et ils ne participaient pas à des initiatives comme les arc-en-ciel peinturés dans leurs fenêtres. Ils ont pris des recommandations de santé très sérieusement et ils avaient très peu de sources d'interaction et on a vraiment vu l'effet négatif sur eux. Nous avons appris que ces communautés dans ces quartiers défavorisés et marginalisés vivent une situation très différente de celles qui vivent dans des communautés plus riches. Par exemple, à Toronto, ce qui passe à Trinity Bellwood dans le centre-ville est très différent de ce qui se passe à Scarlet Woods, un des quartiers qu'on travaille avec qui est défavorisé. Les parcs de Scarlet Woods étaient complètement vides comparé à ce qu'on a vu à Trinity Bellwood. Il y avait aussi l'initiative de rétribuer les roues pour les piétons et les cyclistes en Toronto. Quand nous avons parlé de cette initiative avec nos groupes, en leur demandant leur avis pour savoir s'ils étaient intéressés à l'idée de voir ce type d'initiative dans leur communauté, ils ont répondu que non. Pour eux, la fermeture de la rue limiterait vraiment trop leur capacité de bouger dans la ville, car la transportation publique n'est pas la meilleure, dont la voiture est leur mode principal de transport, spécialement pour les familles et ceux qui travaillent un peu plus loin. Donc, ils préféraient plutôt voir des jardins pour cultiver la nourriture dans leur quartier où les gens ont souvent faim ou ils n'ont pas l'accès à la nourriture qui est nourrissante. C'était une révélation pour nous d'apprendre ça et quand Minaz a transmis cette information aux dirigeants de notre organisation, ils ne s'attendaient pas non plus à cette réaction. Donc, nous avons tous parlé de la foule dans la part de Trinity Bellwood et les cercles pour encourager la distanciation sociale, mais il n'y avait rien eu dans la presse de ce qui se passait dans ces quartiers dépauvrisés. Donc, nous avons demandé une subvention pour encourager l'usage des parcs dans les quartiers défavorisés pendant ce temps. C'était une demande très courte, seulement 3 paragraphes, et elle était rapidement acceptée. Et c'est vraiment grâce à ces sessions de discussion en ligne qu'on a pu faire ça. Grâce au financement obtenu, nous embauchons maintenant 5 personnes qui vivent dans des communautés défavorisées et marginalisées. Ils étaient originalement des bénévoles et maintenant nous leur payons pour explorer les idées qui fonctionnent dans chacune de leurs communautés. La COVID a exaspéré les situations dans ces communautés et grâce à ces conversations en ligne, nous avons pu savoir plus sur ce qui vivent dans ces communautés. Toutes ces expériences étaient complètement nouvelles pour ce programme. Avant, nous étions complètement centrés sur l'idée de faire venir les gens dehors et travailler avec eux dehors. Nous avons fait plein d'erreurs au début. La technologie était nouvelle pour nous et pour les groupes. Nous avons fait même quelques sessions avec quelques groupes qui n'étaient pas du tout technophiles en utilisant le téléphone ou en parlant avec quelqu'un qui était avec eux. Et maintenant, certains d'entre eux sont les plus motivés et même enseignent à d'autres personnes dans leur communauté comment utiliser Zoom et d'autres plateformes numériques. Ils nous pardonnent nos erreurs et ils ont également fait leur part dans leurs commentaires, ce qui nous a aidés à améliorer à chaque semaine. On a vraiment pu orienter les sessions pour répondre à leurs besoins. Nous avons organisé les sessions aussi autour de ce que les groupes voulaient apprendre. Travaillant en ligne avec les communautés a des vrais aspects positifs. Nous avons découvert des éléments de la situation de ces groupes que nous n'aurions jamais découvert sans être passés en ligne. Je sais que vos programmes sont pour la plupart tous lieux dehors, c'est pourquoi vous êtes ici, mais utiliser les outils numériques peuvent être très utiles et bénéfiques pour tout le monde, je pense. Tout est nouveau, mais nous avons pu avoir des conversations très différentes de celles que nous avions auparavant. Même quand nous avons fini avec la COVID, je pense que je garderai au moins une partie de nos programmes en ligne parce que maintenant, on peut voir qu'il y en a des bénéfices pour les deux méthodes.
Donc, penser ces sessions différemment, poser des questions différentes pour comprendre les besoins de chacune de ces communautés et y répondre dès maintenant. Donc, merci beaucoup. J'apprécie votre temps et j'espère que vos efforts transmettre votre travail en ligne sera aussi un succès. Merci, Mash. Merci beaucoup. Oui, il y a tellement à apprendre de ce programme, à la fois les côtés positifs de ces modifications, mais aussi c'est le moment d'examiner ces enjeux qui n'ont pas été bien pris en compte et qui méritent l'attention dans les futurs programmes que nous développerons. Alors, on va discuter un peu en peu plus détail les avantages et inconvénients de ces différentes options. La première, la programmation directe en ligne. Alors, les avantages sont que c'est excellent pour créer les liens et un apprentissage partagé entre les participants dans la session. Ça offre des occasions pour nouer les liens sociaux entre les participants. Un inconvénient, c'est que c'est sur l'écran, alors, mais on peut offrir des activités préalables ou de suivi non virtuel. On peut encourager des moments qui sont hors de l'écran avant ou après l'événement et pour que le moment que vous êtes ensemble en ligne, c'est le moment où vous partagez vos expériences et que vous avez eues dans le monde réel. Quelque chose à considérer, c'est l'accès de votre public, votre audience à des appareils, à une connexion Internet, à leur niveau de confort avec la participation en ligne. Est-ce que vous fournissez aussi l'occasion aux participants de se connecter par téléphone? L'animation engageante est importante. Vous voulez choisir les individus qui peuvent raconter votre histoire et qui peuvent en profiter des outils disponibles et garder l'attention et la participation de l'audience. Et aussi, finalement, sur Zoom, où nous nous trouvons aujourd'hui, vous avez le choix entre les réunions ou les webinaires, chacun avec ses bénéfices. Et nous allons partager avec vous une boîte d'outils qu'on a créée pour les événements en ligne. Alors, on va détailler plus les différences entre les webinaires et les réunions. Il y a beaucoup de plateformes pour la programmation en direct en ligne. Plusieurs d'entre vous utilisent Zoom. Il y a aussi Google Meet, WebEx, quelques autres plateformes. Aussi les options, comme j'ai mentionné avant, pour se rejoindre avec les gens où ils sont déjà. Facebook, WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux. Et souvent, ces plateformes peuvent être les transitions à d'autres plateformes technologiques. Pour le contenu en ligne, c'est toujours disponible et assez facile à partager. Votre audience ne doit pas être disponible dans un certain moment et le contenu peut ensuite devenir une programmation, une excellente ressource pour votre site Internet ou pour votre page Facebook. Vous créez une bibliothèque de sorte qu'on peut utiliser plusieurs fois. C'est une bonne solution si vous êtes face à des enjeux de connexion ou un manque d'accès à la technologie ou Internet. Il y a ce manque de connectivité sociale et plus de temps sur l'écran. Et aussi, il y a une absence de supervision. On ne voit pas vraiment comment les gens s'engagent avec le matériel, s'ils en profitent. Il y a cette question d'apprentissage unidirectionnel. À considérer, ce sont votre niveau d'expertise technique et le coût. Par exemple, pour les enregistrements, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un sur votre équipe ou d'ailleurs peut-être un membre de famille qui connaissent mieux la technologie, qui pouvait modifier les vidéos ou partager sur les réseaux sociaux. Et encore, c'est très important d'avoir les présentateurs motivants. Et puis pour le contenu hors ligne, il y a plusieurs avantages aussi de joindre les communautés qui sont moins connectées à l'Internet. Il y a un divers tableau d'activités qui peut être utilisé en conjonction avec les rassemblements en ligne. Et ça peut encourager la participation en famille ou selon le style personnel de chacun dans leur propre temps. Ils ne sont pas forcément être submergés par l'engagement en personne pendant un événement en direct. L'inconvénient, c'est qu'il manque la connectivité et ce soutien social.
Mais il y a des façons de surmonter ça. Par exemple, j'ai vu un événement à Calgary, un groupe qui a organisé un projet qui s'appelait Tokens of Hope, ou jetons de l'espoir. Ils ont distribué des jetons, des petites pièces à chaque famille ou chaque participant. Et puis, les familles les ont ramenées à la maison pour dessiner ou créer des petites pièces d'art. Et puis, les participants ont ramené ces œuvres au parc et les ont affichées à un pont central dans le parc. Et c'était une jolie visuelle là. Les considérations encore, c'est il y a les questions de coût, de sécurité et de logistique liées au matériel hors ligne et la prestation de ces matériels. Et aussi assurer le suivi de la participation. Alors, si les gens font les choses seules hors ligne, comment est-ce qu'on peut vraiment savoir ce qui se passe? Peut-être que vous pouvez l'utiliser en combinaison avec un événement en ligne ou un partage de photos sur WhatsApp ou Facebook. Comme la connexion en ligne manque encore, cette connexion humaine qui vient dans les réunions en personne et afin de minimiser le temps d'écran tout en maximisant l'engagement, il est encore plus important d'inclure à plusieurs moments de sensibilisation et d'engagement avant, pendant et après votre événement au programme. Alors, avant votre activité, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez que les gens participent individuellement et qu'ils puissent partager, compléter ou réfléchir ensemble lors du rassemblement? Peut-être vous pouvez recommander aux participants de passer un moment à l'extérieur avant l'événement. Et peut-être ils pourraient prendre une photo ou ramener un petit objet nature avec eux pendant pour le rassemblement. Ou peut-être il y a des lectures qu'ils devraient faire à l'avance ou les fournitures que vous leur livrez. Pendant votre rassemblement, vous pouvez utiliser la fenêtre de discussion pour demander à votre audience ou les sondages comment vous vous sentez, quel temps il fait dehors ou les autres questions liées à la nature. Et vous pouvez utiliser les fonctions comme les salles de petits groupes, les sondages ou avoir une activité pratique pendant que vous êtes ensemble. Vous pouvez offrir aussi des moments de s'éloigner de l'ordinateur pour les moments de réflexion pendant la session. Et puis après, les suivis sont vraiment utiles, par exemple par courriel ou avec un sondage ou créer une série de votre événement. Ce qui mène aussi à l'évaluation. Alors, encore une fois, vous avez plusieurs moments pour l'évaluation, car l'évaluation et la production des rapports peuvent constituer une partie importante de vos besoins de financement. Alors, avant la session, la période d'inscription peut être clé. Tout le monde doit inscrire pour participer en ligne. Alors, c'est une opportunité de collecter les données et de réfléchir aux informations qui vous seraient utiles. Alors, peut-être ce n'est pas seulement l'âge et le genre qui vous donneront les meilleures données. Peut-être vous pouvez poser aussi des questions pour tester si vous avez atteint votre public ciblé et vérifier si votre promotion marche ou si vous devez faire un effort plus ciblé sur chacune des personnes à qui le programme était destiné. Vous pouvez poser des questions comme nous avons fait aujourd'hui pour mieux comprendre à votre public et façonner votre programme en conséquence. Pendant votre événement, vous pouvez poser des questions clés dans la fenêtre de discussion pour obtenir les points de vue, les réponses ou les citations de vos participants. Vous pouvez préparer les sondages pour évaluer l'expérience ou leur niveau de confort ou de confiance, par exemple. Et vous pouvez poser une question. On avait même des fois pris l'opportunité de poser une question similaire au début du programme et à la fin de la session pour mesurer comment leur perspective a changé à la suite de votre programme. Et une petite détail technique, c'est assurez-vous de faire une capture d'écran de ces sondages quand ils sont affichés sur l'écran pour capturer cette information. Et après l'événement, vous pouvez diriger votre audience vers une enquête directement depuis votre événement en partageant le lien dans le chat ou vous pouvez envoyer un courriel de suivi.
Et vous pouvez également demander à votre audience s'ils pouvaient partager des photos de leur expérience ou des citations ou des réflexions. Vous pouvez même offrir des petits prix pour répondre au sondage pour augmenter votre taux de réponse. Et quelques questions à réfléchir à Marielle, à Marie-Hélène? Donc, quelques questions clés. Désolée. Donc, juste un petit rappel de questions clés à avoir en tête. Donc, quel est l'objectif donc, de votre programme, de votre activité, de votre événement? Est-ce que c'est plus de l'ordre, justement, de l'éducation ou de l'expérience? Ensuite, votre public, donc, quel âge a-t-il? Est-ce qu'il est familier avec la technologie? Il les utilise au quotidien? Est-ce que c'est un accès qui est simple pour eux, pour la technologie? Puis aussi, pour éclairer votre décision, donc, comme aussi Rachel en faisait mention, c'est vraiment de penser à cette stratégie-là, soit en direct, enregistré, hors ligne. Est-ce qu'il y a une plateforme vraiment plus appropriée pour soit notre public qu'on veut rejoindre ou le contenu qu'on a à livrer? Ça va être quoi justement les thématiques dans nos activités? Toute cette pré-réflexion sur l'inscription des espaces de discussion en petits groupes comme on a pu tester aujourd'hui. Aussi l'animation, est-ce qu'il va y avoir différents tons? Puis toute cette notion-là d'évaluation, que ce soit donc en interactivité, par sondage, par vote, par partage de photos, de commentaires. Puis aussi tout cet élément-là de soutien qui permet d'avoir peut-être même une rétroaction, donc des activités hors ligne, puis des suivis. On va avoir l'occasion justement peut-être d'en discuter plus tous en groupe pour savoir quelles sont vos expériences. Donc, je vais laisser Rachel nous expliquer les prochaines étapes. Oui, je vais juste finir avec un point final et puis on va entendre un peu de l'expérience de Clément et aussi si d'autres d'entre vous voulez partager aussi avec nous. Juste quelques derniers éléments sur la question de choisir les bons présentateurs pour vos événements. C'est important de vous assurer qu'ils connaissent les outils technologiques qu'ils vont utiliser parce que cela améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur. Et c'est peut-être présentateur, vous avez déjà le présentateur idéal parmi vos employés ou vos bénévoles, et peut-être pas, peut-être c'est un membre de votre CA ou de votre membre de votre communauté qui est mieux placé pour guider l'expérience en ligne, soit en raison de son confort avec la technologie ou de sa confiance devant une caméra ou le public. C'est toujours important de faire une répétition avec la plateforme que vous utiliserez avant l'événement même. À réfléchir à la duration de votre événement, cela dépend du type de l'événement, et de morceler votre programmation à le public. Oui, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous le coordonnateur du projet Corridor écologique d'Arlington, qui est à Montréal, Clément Badra. Puis, il va nous résumer justement des stratégies que le groupe a mises de l'avant. Puis tous les défis que ça a pu comporter d'apporter une partie de la programmation en ligne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Clément Badra. Je travaille sur le corridor écologique d'Arlington. Pour vous faire un petit peu une mise en contexte du projet et de ce qu'on essaye de faire en temps normal, en fait, c'est un projet qui a commencé en 2014-2015 environ, en termes d'idéation. Et le but est de relier le Mont-Royal, qui est le parc au milieu de la ville de Montréal, avec un chemin de fer qui passe en bas d'un quartier à travers une rue qui traverse vraiment le quartier dans sa totalité, et donc pour permettre à la biodiversité de se déplacer et tous les bénéfices qui viennent avec le verdissement urbain qu'on connaît tous, je pense. Et en fait, cette approche, ce projet-là, l'objectif est de le faire sur une approche
bottom-up et grassroots, où vraiment on veut engager les citoyens autour du projet pour leur permettre de s'approprier l'espace et de transformer le milieu en fonction des besoins du quartier et des besoins de ce que les citoyens nomment, que ce soit par rapport à l'accès de nourriture ou à d'autres types d'aménagements pour les enfants, des enjeux de sécurité en bord de route, plein de choses comme ça en fait, qu'on discute avec les citoyens. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que les gens aiment beaucoup le projet, aiment beaucoup l'idée du projet à la base. Ils adorent vraiment qu'on avance ces idées-là. Mais ils nous connaissent très peu sur le terrain. Et de base, c'est un milieu où l'engagement est difficile, puisque c'est une population qui est quand même défavorisée et immigrante relativement récente. Donc, l'implication dans le milieu communautaire dans lequel ils évoluent n'est pas forcément leur priorité. Ce qui est tout à fait compréhensible. Moi, je suis aussi engagé avec les Amis du Champ des Possibles et je vois la différence en termes de public et du niveau d'engagement qu'on peut avoir pour deux types d'événements très similaires. Et ce n'est pas la même approche qu'on doit prendre pour rejoindre les deux publics. Mais donc, c'est ça qui est intéressant. Et au début de l'année, en septembre, on avait décidé avec mes collègues de se dire bah, « notre problème, c'est la communication ». Donc, on va travailler avec une petite boîte de com spécialisée en projet de développement durable. On connaissait les gens qui travaillaient dans cette boîte pour développer une stratégie de communication physique et un petit peu numérique, mais surtout à la base physique, puisque ce sur lequel on s'était basé, ce qu'on avait vu qui avait le meilleur de résultats en général les années précédentes, c'était les activités sur le terrain. Du coup, cette année, c'est un peu raté. Les activités sur le terrain, nous, on était partis à fond là-dessus. On s'est dit, on va faire plein d'activités avec les écoles, avec les camps de jour. On avait commencé à contacter les différents organismes du coin pour essayer de faire des événements avec eux, à travers la mosquée du quartier, ce genre de choses. Et donc, en fait, ben, on a été obligé de mettre un frein à tout ça une fois que le confinement s'est mis en place. Et donc ben, notre réflexion, ça a été... En fait, à la base, l'idée qu'on avait, c'était de faire beaucoup d'activités, mais chacune de ces activités, en fait, s'inscrivait dans une histoire qui a été créée. Donc, on a créé une légende donc, qui raconte un petit peu l'histoire du site. Et à partir de ce site-là, en fait, à partir de cette légende, on avait des activités à différents moments où les gens pouvaient s'impliquer dans la légende et donc faire évoluer la légende. Et donc, bah, ces activités-là, la grande majorité était sur le terrain et n'était pas faisable en période de confinement et à cause de la Covid. Donc, on a décidé de se dire, ben, OK, on a une légende qui est quand même intéressante. On a des activités qu'on pense pouvoir adapter un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir combiner les deux, transformer un peu la légende et se retrouver avec quelques activités qu'on peut faire en ligne. Et si plus tard dans l'année, ça va, peut-être qu'on pourra faire quelques activités sur le terrain légèrement. Nous, ce qu'on avait au tout début, avant de travailler avec la boîte de communication, c'était vraiment juste une page Facebook qui n'était pas forcément la plus active. On mettait quelques articles de temps en temps, on mettait des photos de ce qu'on faisait sur le terrain, mais pas un travail vraiment d'animation de réseaux sociaux comme on le fait dans certains contextes de marketing ou de choses comme ça. Et donc, c'est un petit peu l'approche qu'on a pris en fait avec la boîte de communication, ça a été de voir comment est-ce qu'on peut utiliser Facebook vraiment comme outil promotionnel du projet pour que les gens puissent interagir avec nous à travers la page Facebook qui était au début du mois de mars. Tout ça, c'était quelque chose qui était énormément utilisé. Et donc, ben, c'est vraiment... On a travaillé là-dessus. Et donc, le premier réflexe, la première chose sur laquelle on a travaillé, c'est se dire, bah, on a des activités, certes, qu'on pourrait faire, mais comment est-ce qu'on recrée un petit peu ce sentiment de communauté ou de groupe qu'on peut retrouver lorsque tout le monde assiste à un même événement ou à des choses comme ça. Et donc, bah, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait créer un groupe fermé qu'on appelait la légende de la montagne, basée sur l'histoire qu'on développait avec les activités, au sein duquel les citoyens pouvaient s'inscrire. Et donc, on les acceptait et on les acceptait dans le groupe Facebook. Ce que ça a fait, c'est que du coup, on s'est retrouvé avec une communauté de citoyens du quartier qui pouvaient discuter et échanger dans un groupe Facebook. Je vous avoue qu'on parlait un petit peu plus tôt pendant la conférence de notamment la gestion de l'information, de contact des citoyens, des choses comme ça. Une autre chose qu'on a fait nous en tout début d'année, c'est que
Chaque année, l'arrondissement propose une distribution de fleurs où les citoyens viennent chercher des fleurs pour embellir leur quartier. Nous, on s'est dit, cette année, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de se rendre, on va faire une distribution. Donc, on est allé chercher à l'arrondissement les fleurs et on les déposait devant chez les gens. Et en fait, toute la préparation avant s'est faite en ligne pour contacter les gens, leur dire qu'on pouvait leur offrir ce service, tout ça. Et ce que ça nous a permis d'avoir, c'est qu'en échange des fleurs, on leur demandait l'information de leur contact pour les tenir au courant de ce qu'on faisait pendant l'été en ligne. Et donc, ça a fait quand même qu'on a eu une vingtaine de personnes supplémentaires qui se sont rajoutées au groupe Facebook, en plus des citoyens qu'on avait, et qui ont interagi un petit peu à travers le groupe. Donc en fait, on trouvait ça un peu contre-intuitif au départ de fermer un groupe Facebook, mais on s'est retrouvé en fait avec une communauté et un groupe qu'on a été capable de faire circuler, donc les gens qui étaient intéressés dans la communauté pouvaient rejoindre le groupe. On continuait à promouvoir sur la page Facebook régulière un petit peu tout ce qui se faisait, en indiquant que si on voulait pouvoir interagir à travers les activités qui se créaient, c'était plus à l'intérieur du groupe Facebook citoyen. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a pris majoritairement... j'ai deux activités en tête qui sont assez bien transformées. La première activité, c'était une activité de plantation de champignons. Et la deuxième activité, c'est une promenade d'identification d'animaux et de végétaux. Donc, pour les champignons, en fait, on voulait faire une présentation d'inoculation des champignons et comment on faisait pour faire pousser des champignons par soi-même. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, un petit peu dans les photos que vous avez pu voir passer un petit peu plus tôt, c'est qu'on s'est fait un petit setup vraiment basic avec un trépied, un iPhone connecté en 3G et on a fait un live Facebook où un de mes collègues montrait comment on faisait une inoculation de champignons. Et ça a permis aux gens qui souhaitaient de pouvoir regarder la vidéo en direct. Et pendant qu'on regardait la vidéo, on avait des échanges où on avait des citoyens qui nous posaient des questions, on répondait, on leur expliquait un petit peu. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'au fur et à mesure où on a fait l'événement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions et beaucoup de citoyens qui auraient voulu avoir plus d'informations. Et c'est un petit peu ce que vous expliquiez un petit peu plus tôt dans la présentation, c'est garder des traces un petit peu de ces événements-là. Donc, on a utilisé la vidéo du live Facebook pour la transformer en vidéo éducative qu'on a coupée en morceaux pour regarder que les moments les plus importants. Et également enlever les bugs, parce qu'il y a eu quelques bugs forcément de connexion Internet en 3G dans un parc pour un live. Mais justement, cet échange-là nous a permis, avec les citoyens, qu'à chaque fois qu'il y a un bug, on prenne notre temps, on fasse une pause, ils nous indiquaient que le bug avait fini. Et puis, il y a un petit rythme qui s'est mis en place au fur et à mesure de l'événement, où malheureusement, toutes les 10 minutes à peu près, on devait faire une pause de 30 secondes, et on nous le signalait, on attendait, tout le monde attendait que ça reprenne, et puis on redémarrait. Et donc, on a fait la vidéo à partir de cette vidéo-là, on a fait la vidéo explicative et on s'est rendu compte qu'un petit document pour accompagner la vidéo serait bien utile. Donc, on a rédigé un document qui résumait la vidéo au cas où les gens n'aient pas envie de regarder la vidéo mais voulaient les informations. Et donc, de cette façon-là, on a mis sur le site internet du projet le guide, la petite vidéo. Et puis, donc ça permet aux gens qui ont regardé en direct de soit re-suivre ce qui s'est passé, soit à ce moment-là, de ceux qui n'ont pas pu le regarder en direct ou qui tombent juste sur le site internet ou qui sont juste intéressés par les champignons, d'aller voir cette ressource qui existe maintenant sur le site internet. C'était intéressant parce qu'on a eu, un public, pas forcément le public du coin, même si on a eu quand même quelques personnes qui nous en ont parlé après dans le quartier. Mais on a eu un public très, 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 très varié. On a eu des gens de la Baie des Chaleurs, du lac Saint-Jean, donc on a vraiment eu un public assez large qu'on n'aurait pas rejoint autrement. Donc ça, c'était intéressant pour faire découvrir ces enjeux-là, le projet en général à du monde qui ne l'aurait pas découvert. Mais ce qui est assez cool, c'est qu'au fur et à mesure où l'été a avancé, les gens du quartier ont aussi entendu parler du projet. Et donc cette année, à différentes reprises dans l'été, on a eu quelques champignons qui ont poussé. Et on a eu des citoyens qui nous ont envoyé des photos pour nous dire « regardez, les champignons sont sortis ». Donc, ça nous permet de leur dire « allez-y, servez-vous, c'est fait pour ça ». Et donc, on arrive à avoir un peu de feedback à ce niveau-là auprès des citoyens et un échange sur un événement auquel personne n'a assisté, en fait. Donc, ça, c'était quelque chose qui a quand même assez bien fonctionné. C'était intéressant à ce niveau-là. Puis, on a pris la suite
on a pris la suite avec plus sur le terrain pour la suite de l'été, quand on a pu faire des petites choses en petits groupes. On a engagé, on a impliqué des jeunes du quartier autour du projet des champignons pour leur montrer un peu ce qu'on pouvait faire. Donc on a créé une continuité de terrain après l'événement virtuel qui était intéressante aussi et qu'on a pu montrer sur les réseaux sociaux aussi et créer un lien entre ce qu'on a fait virtuellement, ce qu'ils ont vu virtuellement et ce qui a changé physiquement dans le quartier. Donc pour ça, c'était intéressant. Puis c'est la deuxième chose qu'on a essayé d'adapter, c'était les promenades d'identification. Donc comme nous, on était basé vraiment sur un regard posé sur la biodiversité urbaine. Une des choses qu'on voulait faire, c'était des balades d'identification d'insectes, de plantes, d'animaux, pardon, de la biodiversité en général. Et ben, malheureusement, on n'était pas à l'aise à le faire avec des groupes. Surtout que la personne qui était en charge de faire ces visites-là au départ est horticulteur, biologiste, infirmier, et que cet été, il a décidé de plus travailler dans les hôpitaux qu'avec les plantes, ce qu'on ne pouvait pas lui reprocher du tout. Donc, on n'avait pas notre promeneur avec nous. Donc, on s'est dit qu'on allait faire ça un petit peu différemment. Et donc, on a passé l'été à se balader dans le quartier et prendre des photos de ce qu'on pouvait repérer. Et une à deux fois par semaine, on a fixé deux journées dans la semaine où on postait une photo ou une vidéo d'un animal, d'une plante ou d'un insecte qu'on a observé avec un petit « le saviez-vous » qu'on publiait sur le groupe Facebook et puis après sur la page. Donc comme ça, les gens découvraient un petit peu chaque semaine une ou deux espèces de ce qu'il y avait dans leur quartier. Donc ça, c'était intéressant. On n'a pas forcément eu beaucoup de feedback de personnes sur ces photos-là. On avait des likes, des choses comme ça, mais pas beaucoup de commentaires. Mais on a quand même une citoyenne aussi qui, certes, nous a répondu sur des photos. Puis un jour, nous a envoyé une photo d'un rapace en nous demandant ce que c'était. Puis on était bien contents de voir que c'était un épervier qui avait l'habitude de passer du bon temps dans le parc dans lequel on fait nos projets. Donc ça montre qu'il y a de la vie. Et puis c'était un super exemple pour les citoyens, et c'est elle-même qui a posté une vidéo même du rapace dans le groupe Facebook justement. Donc c'était un petit peu les choses qu'on a réussi à faire un peu en ligne cette année, et après qu'on a assorti avec la chance qu'on a eu de faire quelques petites activités de terrain avec des petits groupes de jeunes par-ci par-là. Mais contrairement aux autres années où on parlait pas forcément de ce qu'on faisait, on s'est rendu compte qu'au moins présenter ce qui se passait sur les réseaux sociaux, même avec les équipes de jeunes, ça permettait aux citoyens de s'approprier plus l'espace quand même et de comprendre ce qui se passait. Donc c'est quelque chose qu'on a continué à faire de façon beaucoup plus importante que les années précédentes. Et puis, bien sûr, c'est une année où on a des réussites et des échecs. Moi, je peux vous dire qu'au niveau des ratés, on a très peu d'interactions directes entre citoyens sur le groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait quand même réussir à améliorer. Mais par contre, c'est vrai qu'on est un peu plus reconnu sur le terrain cette année quand on y va. Et puis, on a eu une augmentation du nombre de personnes dans le groupe et surtout qui suivent la page, pas forcément que du monde en dehors du quartier. Donc ça, c'était intéressant. C'était vraiment... on s'est rendu compte de choses qui fonctionnent, de choses qui fonctionnent moins. Par exemple, un événement comme la corvée qu'on aurait voulu faire. Cette année, c'était dans les plans de le faire. Et puis, on s'est adapté. On a vu qu'il n'y avait pas un énorme feedback et qu'on se doutait qu'un événement de corvée, ça allait être difficile de mobiliser les gens cette année comme ça. Surtout que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire à la base dans ce parc-là. Donc, on a changé un petit peu certaines choses on the fly, comme on dit. Mais ça, c'est... plutôt bien dégoupillé en termes de participation citoyenne. C'est une des années où on a quand même réussi à engager le plus de gens autour des projets et des événements. On a des choses où c'est aussi vraiment juste de l'agriculture urbaine où chacun se débrouille. Et pour ça, cette année, les gens se sont tout de suite jetés sur les espaces et ont eu beaucoup de succès pour l'instant. Donc, ça a été une première année avec des essais. Et je pense qu'il y a certaines choses qu'on va garder pour la suite quand même, parce que ça donne une possibilité de visibilité et de partage de l'information qui est supérieure à celle qui est quand on est physiquement juste en présence sur le terrain.
Mais le contact humain et physique fait que les gens se connectent quand même un petit peu plus à un projet quand ils ont l'occasion de le voir et de mettre la main à la pâte littéralement. Donc c'est, je pense, un équilibre qui est intéressant à trouver. Il faut se servir de tous les outils disponibles parce que je pense qu'il y a un avantage à s'en servir aussi. Merci Clément, merci. Très intéressant d'entendre les expériences de votre groupe. Mes excuses, le temps file aujourd'hui. On avait prévu une dizaine de minutes pour les questions et la discussion avec les panélistes et avec Violaine, si vous avez des questions pour Violaine ou pour nous. Mais on est là à 4 heures et on veut respecter le temps de tout le monde qui est là aujourd'hui. On veut que vous pouvez profiter d'une belle journée qui fait dehors encore. Si vous avez une dernière question pour nous ou je ne sais pas si Violaine voulait adresser les participants aujourd'hui, est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Sinon, je pense qu'on va finir pour aujourd'hui. Oui, merci. Oui, ici sur l'écran, si vous avez des questions encore en ce qui concerne la Fondation des Amis de l'Environnement, il y a le contact là. Violaine, est-ce que tu veux? Oui, ben, je voulais simplement vous remercier pour cette présentation, remercier tous les intervenants. J'aurais adoré entendre plusieurs des personnes qui sont présentes aujourd'hui en ligne. Je reconnais tous vos organismes. On a soutenu à plusieurs reprises certains d'entre vous, vos projets. Puis je sais qu'en ce moment, bien, tout le monde, dans les derniers mois, on a dû faire preuve d'énormément d'adaptation. Puis ça se continue encore. Puis nous, à la Fondation, c'est certain que ça nous a amené énormément de questionnements à savoir comment est-ce que on va pouvoir continuer à vous soutenir, bien sûr, mais comment vous allez pouvoir réussir à continuer à remplir vos objectifs malgré la situation actuelle, puis un peu aussi l'horizon parfois incertain qui se dresse devant nous. Je sais que donc dans les derniers mois, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, vous êtes adaptés, je vois certains commentaires là, apparaître. Qu'il y a eu des corvées qui ont été faites en ligne. J'ai vu des choses extraordinaires se passer. J'aurais beaucoup aimé vous entendre. Donc, je ne sais pas s'il y a une façon qu'on pourra continuer cette conversation-là. Sinon, nous, on avait une vague de financement qui se terminait le 15 juillet. On est toujours en période d'évaluation de projet. La prochaine vague de financement aura lieu, la date limite, le 15 janvier. Et puis, c'est toujours un bonheur de lire vos projets puis d'essayer de voir comment vous faites preuve d'innovation aussi dans le contexte actuel. Donc, merci beaucoup pour votre présence et future participation à peut-être une suite à cet événement, qui sait. Je pense qu'on est tous une communauté d'apprentissage aussi d'une certaine façon. Fait que peut-être que ça, il devra dans les prochains mois y avoir une suite à ce webinaire, qui sait. Merci beaucoup.